Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la fonction inverse. Elle est indiquée ici. Donc, à x, on associe comme image 1 sur x. Ce qui veut dire que nous avons ici un dénominateur. Et donc, la condition x doit être différente de 0, puisque le dénominateur, c'est x. Et donc, nous avons comme domaine de définition R étoile. Ce qu'on remarque, dans le sens où, par rapport à la représentation graphique, eh bien, 0 ne possède pas d'image. Si effectivement, je trace la droite verticale x égale 0, eh bien on observe qu'elle n'intercepte pas la fonction. Et si on cherche à calculer f de 0, eh bien sûr qu'on n'aura pas d'image. Donc si on prend l'intersection de f avec l'axe OY, ou du graphe de f avec l'axe OY, alors on a l'ensemble vide. Si on recherche également l'intersection de f avec OX, alors on cherche à résoudre l'équation f de x est égal à 0, qui équivaut à 1 sur x est égal à 0, qui ne possède pas de solution, puisqu'il faut, quand on a une fraction, que le numérateur soit nul, ce qui est impossible ici, puisqu'on a 1 est égal à 0. Donc, de même, f inter OX est égal à l'ensemble vide, que l'on remarque également sur la représentation graphique, puisque la droite d'équation y égale 0 n'intercepte pas la fonction, donc 0 n'a pas de préimage. Comme autre propriété, ce qu'on peut dire de la représentation graphique de cette fonction, c'est qu'il s'agit d'une hyperbole. Ce qu'on peut observer comme propriété supplémentaire, c'est que la fonction est symétrique relativement à une symétrie centrale de centre l'origine. Donc si je prends un point quelconque sur la fonction, que je trace, sont symétriques par rapport à l'origine, c'est-à-dire que si je prends un point M, je cherche un point M' tel que l'origine est le milieu du segment MM'. C'est valable pour n'importe quel point, et à ce moment-là, c'est une fonction qui possède une particularité, c'est une fonction qu'on va appeler impaire dans le chapitre suivant. Donc, quel que soit x appartenant au domaine de définition, f de moins x est égal à moins f de x. En l'occurrence, f de 2 est égal à 1/2, f de moins 2 est égal à 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1/2, f de moins 3, 1 sur moins 3, moins 1 tiers, f de 3, 1 tiers. Donc on a bien f de moins 2 qui est l'opposé de f de 2, f de moins 3 qui est l'opposé de f de 3, ou f de 2 qui est l'opposé de f de moins 2, f de moins 3 qui est l'opposé de f de 3. Et c'est valable, bien entendu, quel que soit x, même si on prend un x qui n'est pas un nombre entier. Voici la première fonction de l'exemple 5.4, à savoir la fonction f de x égale 1 sur x plus 2. Alors, par rapport à la fonction f qui était 1 sur x donné auparavant, eh bien on décale tout de 2 unités vers le haut. Voilà. Le domaine ne change pas. Ici, on a bien R étoile également comme domaine, puisque 0 est une valeur interdite. Le plus 2 n'est pas dans le dénominateur. Donc, on garde comme domaine ceci. Et voici encore la fonction g de l'exemple 5, 4, 2 de la page 51, à savoir la fonction 1 sur x moins 3. Donc, cette fois-ci, le décalage est de 3 unités vers la droite à cause du x moins 3 qu'on a ici. C'est la valeur 3 qui ne possède pas d'image, alors que 0 ne possède aucune préimage comme pour la fonction 1 sur x. Donc, comme domaine de définition de cette fonction g, nous avons r moins le singleton 3. Ici, le domaine de définition change, bien entendu, puisque le moins 3 est intégré au dénominateur. Donc, on pourrait donner l'ensemble image en fait de cette fonction, c'est-à-dire R étoile, puisque 0 ne possède pas de préimage, tous les autres éléments possèdent exactement une préimage. Par exemple, 4 possède ici une préimage, ce serait une valeur proche de 3 et des poussières. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la fonction racine carrée.